Ensuite, j'ai la clé à bougie, justement, du bon diamètre pour enlever la bougie. Et pour finir, j'ai un petit filtre à essence pour ma pocket parce que mon frère m'a taxé le mien pour sa van. Parce qu'en fait, le sien était encrassé et du coup, elle pouvait plus rouler. Du coup, j'ai passé le mien, mais bon, du coup, il va me rembourser. Enfin, vous en faites pas. Bon, je reprends ma caméra, c'était coupé car j'ai plus de batterie. Du coup, j'ai déballé ma bougie. J'avais ouverte, regardez à tel qu'effet. Je vais vous montrer juste un peu quelque chose qui est assez intéressant. En fait, le 4 temps et le 2 temps, ça, le 4 temps et le 2 temps, ça n'a rien à voir. Niveau fonctionnement, niveau taille, en fait. Parce que une bougie de 2 temps, ça va être, comment dire, c'est plus celle qui va faire le travail, en fait. La bougie va être beaucoup plus sollicitée, c'est pour ça que le culot, comme vous pouvez voir ici, sur celle-ci, ça c'est pour le 2 temps, c'est pour ma pocket, ça c'est pour la moto. La grande, celle de. Attendez. Là, celle-ci, je crois c'est à gauche. Oui, c'est à gauche pour vous, moi c'est à droite. Bref, vous voyez qu'en fait, bon, niveau longueur, ça n'a rien à voir, mais niveau taille, celle pour la pocket est quand même un peu plus grosse. Voilà, vous avez compris quoi. On va passer au déballage des deux autres pièces. Je vais ranger ça après, c'est pas très grave. Avant que ma batterie, ma caméra s'éteigne, parce que là il y a déjà plus de batterie, il y avait déjà 2 barres, mais déjà changé, elle est morte. On va passer à l'ouverture de mon sélecteur XF. On va prendre le propre, j'ai pas de toujours côté. C'est bon. RXF, je le rappelle, est de la bonne qualité, hein, clairement. J'aime beaucoup cette marque. Oula. Il y a un peu de mal à l'ombre sur le sort. Mais ça bouge même pas. Ah voilà, je pense que c'était collé. Super. Bon, regardez ça un peu. Il est tout beau. Je suis content. Avec l'embout là qui se plie en cas de chute. Bon, normalement ça ne devrait pas m'arriver, mais au cas où, ça évitera de faire des frais supplémentaires. Là, il y a une petite vis ici, je pense qu'elle va me déranger, du coup je crois que je vais la mettre de l'autre côté parce que sinon la tête va me déranger, du coup je vais pas la laisser comme ça. Oh là là, ça s'ouvre tout seul. Leurs filtres sont de qualité, même les emballages sont de qualité. En même temps, quand je vois ça, je me dis quand même ils ont fait quelque chose de bien. Alors, petit sticker, c'est un peu plus petit que celui que j'ai l'impression, mais c'est pas grave. Je vais le mettre sous quelque chose parce que là, un peu plié quoi. Super, merci l'emballage. Alors le petit filtre à air. Voilà. Vous pouvez voir. Mais il est plutôt propre franchement. L'intérieur on dirait que c'est rouge. J'aime beaucoup avec le petit ouvert comme ça. Ça rendra très bien. Niveau diamètre, normalement ça doit être ça. Hein. Ouais, je pense. Et j'avais du coup mon filtre à essence pour la pocket. Le voici. Le système intérieur a l'air un peu différent de ceux que j'ai pu voir, mais peu importe, tant que ça fonctionne. Et pour finir, ma clé à bougie pour ma moto. C'est le diamètre que j'ai mis sur la bougie. Si vous voulez être sûr, hein. Hop, je vous montre. Ah, c'est bon, ça rentre, ça bloque, ça c'est bon, c'est pour serrer et desserrer. D'ailleurs on regardera l'état de la bougie parce que je n'ai toujours pas pu la démonter vu que j'ai plus de clé à bougie et celle de ma mobilette ne serait sûrement pas passée. Voilà, bon maintenant, je vais vous retrouver tout de suite pour le montage. Pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est demain, c'est la magie du montage. Allez, à tout de suite. Bon, je vous retrouve. Là on va faire le montage de toutes les pièces que je vous ai déballées auparavant. Et c'est parti, allez, là on va commencer je pense avec je commence avec le filtre à air et je terminerai avec le sélecteur je pense. Et je regarderai aussi ma bougie dans quel état elle est. Et puis voilà, allez c'est parti. Thank you.
là je vous reprends, je viens de monter mon filtre à air. S'il y a un peu de vent, je suis désolé, hein, c'est aujourd'hui il y a un peu de vent. Alors je viens de le monter, hop, voilà, c'est le diamètre, c'est pile ça, c'est bien ce que je pensais, j'ai pas eu de problème pour le monter. Attendez, hop, c'est monté tout seul. Bon, je suis désolé, mon moteur est quand même un peu sale. Hein. Là, oui, ça, c'est mon truc anti-pollution, mais on ferait une soudure vers la pâte pour boucher, pour pas qu'il y ait du tout d'entrée d'air. Du coup, là, vous voyez, ça fait quand même beaucoup plus de place. Et là, c'est quand même un peu plus joli. Là, on aperçoit le petit filtre, et puis voilà. Bon, après, on le voit comme ça. Bon, en vrai, j'en suis quand même vachement content. Bon, après, là, on va passer... On va passer au montage du sélecteur. Et je crois que... Ouais, non. Il y a aussi... je vais regarder ma bougie. Et on montrera aussi le filtre essence sur la pocket. Mais bon, ça va prendre franchement 2 secondes. Je vous le ferai pas en accéléré. Ça ne sert pas à grand-chose. Bon, allez, c'est parti. On va passer au montage... Enfin, remontage des carénages et de la selle. Et puis, montage du sélecteur. Allez, c'est parti. Ma GoPro est full comme c'est écrit juste là, vous pouvez le voir, hop là, ça fait le focus, mise au point, vous avez compris. En gros, elle est full, j'ai plus de place. Du coup, je termine avec mon téléphone pour filmer. Mais je viens d'aller faire un tour et je viens de la couper, j'ai oublié de vous faire écouter le bruit, du coup je le ferai juste après, je vais redémarrer, c'est pas très grave. Du coup, oh là, c'est un truc de ouf, vraiment c'est hyper agréable pour passer des vitesses là, mais vous vous rendez pas compte. Avant, fallait forcer un petit peu. Là, j'appuie à peine, ça se passe, mais tout seul. Regardez, attendez, je vous montre ça. Où est-ce que je change de caméra? Je ne peux pas. Eh ben, attendez, je vous montre tout ça. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment oh la vache, c'est vraiment hyper agréable. On entend beaucoup le bruit de l'admission avec le filtre air Twin Air. Et franchement, c'est un truc de ouf. Je pense que je vais passer au démontage de la bougie avec vous pour vous montrer un peu dans quel état elle est, pour regarder avec vous. Moi, j'ai pas regardé encore. Et je vais aussi regarder, regarder son état et puis voir si elle est bien, si c'est pas trop riche, si c'est pas trop pauvre. Et voilà. Bon. Du coup, j'ai mis mon petit filtre air juste là. Voilà, Twin Air, comme mon sticker. C'est pour ça que j'en ai mis un de la même marque. Même j'ai eu un autre sticker avec. Vous pouvez voir là-bas, là c'est la pochette. J'ai mis le petit levier, enfin un petit sélecteur de vitesse. Bon, c'est normal qu'ici là soit comme ça parce qu'il ne peut pas aller plus loin en fait. C'est avec la forme qu'il a. Attendez, je vais regarder parce que. Mais c'est avec la forme qu'il a, ça l'empêche d'aller un peu plus loin parce que c'est pas un origine. Qui fait le focus, bon dieu. Oh là là, c'est quoi ces téléphones pourris là, Samsung, c'est vraiment pas ouf. Hein. Voilà, du coup vous voyez. Et ouais, franchement, mais les vitesses elles se passent toutes seules. C'est incroyable, vraiment. C'est ultra agréable en plus. On parle là, il y a un petit peu de jeu, mais bon, en même temps, c'est un repliable et puis c'est pas très grave. Hein. Franchement, vous pouvez voir, oh là, je suis n'importe comment. Vous pouvez voir, ça se replie, ça c'est vachement cool. Et voilà, du coup, je vais vous faire goûter le bruit tout de suite. Et puis voilà, allez, c'est parti. Bon, voilà le bruit, j'espère que vous m'entendez, mais. Si vous avez vu, ça fume un peu noir. Par contre, je sais pas à quel régime j'étais là, mais normalement, elle monte pas autant de tours minutes. Mais bon, je pense que je devais être genre ouais, peut-être. Attendez, mais c'est incroyable, ce téléphone, il ne voit rien. Alors, je devais être ouais, peut-être 11 000 quasiment là, parce que oh le bordel.
Bon, par contre, le rupteur, je pense que je vais pas le faire comme ça, mais. Après, vous en faites pas, le moteur est chaud. Je vais pas flinguer mon moteur. Bon, normal, hein. On voit pas ma plaque, j'ai fait exprès. Voilà, voilà. Bon, mais. Attendez. Bon. Je reprends. Bon, du coup, sur ce, on va terminer cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un like, partagez la vidéo un maximum. Franchement, c'est le meilleur moyen pour me soutenir et ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, sur ce, c'était Hippo et à plus pour un prochain épisode.